La table aux mille plaisirs invite à la contemplation. Cette exposition colorée met en scène des surtouts de table réalisés par les élèves de CM1 de l'école de Velferdin dans le cadre du projet d'école La Classe L'Œuvre. Accompagnée de l'artiste et illustratrice Amandine Meyer, qui vient de passer cette année de résidence à Sarreguemines, les enfants revisitent les savoir-faire des faïenceries en s'appuyant sur différents moules qui servaient à la réalisation de certaines grandes pièces. C'est un travail qui est synonyme de beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes, donc la création artistique, mais pas que, la réinterprétation de traditions. La partie, on travaille à plusieurs sur une œuvre finalement commune, puisqu'on a une table qui est intéressante parce qu'elle met en œuvre des choses qui se faisaient autrefois. Au XIXe siècle, les surtouts de table étaient des pièces ornementales que l'on disposait au centre de la table. Ils servaient aussi de présentoir pour les plats. Il ne reste que quelques jours pour découvrir cette table aux mille plaisirs. Rendez-vous au Moulin de la Blise jusqu'au 29 août.